Comme Carl-Philippe Emmanuel Barr a dit, c'est l'âme qui doit parler et non un oiseau bien dressé. There's a lot of repertoire for flute, but I find the Carl-Philippe Emmanuel Barr concertos quite remarkable. I mean, they really get the flute there on top. They really explore all the possibilities. Those slow movements are some of the most touching and extraordinary music there is for flute. And yet, first, third movements of those concertos are some of the most virtuoso music that I've ever heard. La musique de Carl-Philippe Emmanuel Barr, c'est du baroque, mais avec déjà du classicisme. Et en même temps, beaucoup de caractère. On passe de différentes émotions, même dans un mouvement. On passe des fois d'énergie pure à tout d'un coup un lyrisme, puis de nouveau un passage très rythmique. On a l'impression que c'est vraiment toutes les émotions qui défilent. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Working with Nolwenn made it all the better because she has those two sides. She's a very musical and very sensitive player when it comes to expressing those emotional moments of the music, and yet she played like a tornado almost in all those technical and virtuoso moments. I think everyone was amazed to be able to work with her, to have someone who comes from the orchestra race onto this soloist position with such grace and such elegance. It was quite an amazing experience, I have to say. J'apprécie vraiment de pouvoir exprimer toutes mes émotions et dans cette musique-là, c'est possible. Je peux montrer mon énergie, aussi que j'ai un côté peut-être plus doux et en même temps que je vais m'ouvrir complètement et lâcher complètement dans un troisième mouvement. Ça, c'est ce qui me passionne vraiment.